Nous sommes sur les hauteurs de Nice, Arménac à Paramian. Vous êtes président du Conseil national d'Arménie occidentale. Que pensez-vous de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet de l'affaire Perinçak? Oui, effectivement, nous sommes sur les hauteurs de Nice. Donc, dans le cadre du fort de la Drette, nous avons été invités par M. Rossi et M. Ciotti. En fait, c'est le monde combattant qui a été invité aujourd'hui pour pouvoir donc commémorer des journées du souvenir consacrées au monde combattant qui a servi la France donc, durant les premières et les secondes guerres mondiales. Alors, pour revenir sur la question de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, tout d'abord, il faudrait, dans un premier temps, en partie en tout cas, lire cet arrêt. Alors, moi j'ai à ma disposition le document officiel de la Cour européenne et je ne vais pas tout lire, hein, il y a 6 pages, mais je voudrais quand même en lire une petite partie. Alors, la Cour rend son arrêt de la Grande Chambre dans l'affaire Perinçak contre la Suisse. Et dans son arrêt de Grande Chambre, rendu ce jour dans l'affaire Perinçak contre la Suisse, donc la Cour européenne des droits de l'homme dit à la majorité, donc on est dans un cadre donc, de décision majoritaire, qu'il y a lieu, violation de l'article 10, liberté d'expression, de la Convention européenne des droits de l'homme. L'affaire concernait la condamnation pénale d'un homme politique turc qui avait publiquement exprimé en Suisse l'opinion que les déportations massives et massacres subis par les Arméniens au sein de l'Empire ottoman en 1915 et les années suivantes ne constituaient pas un génocide. Consciente de l'importance considérable que la communauté arménienne attache à la question de savoir si ces déportations massives et massacres peuvent être considérées comme un génocide, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, là on parle de jugement, que la dignité des victimes et la dignité et l'identité des Arméniens d'aujourd'hui étaient protégées par l'article 8, droit au respect de la vie privée de la Convention. Elle a donc dû mettre en balance deux droits tirés de la Convention, le droit à la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée, en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce et de la proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. À ce titre, donc, nous avons en fait trois positions au niveau de la Cour européenne. Une position comme quoi elle s'est déclarée incompétente vis-à-vis de la question historique du génocide des Arméniens. Une position, donc un jugement vis-à-vis donc de l'article 10, liberté d'expression, sous lequel donc M. Perinçak a entamé une procédure. Mais il y a aussi un point essentiel, et là je veux m'adresser particulièrement donc à la population arménienne, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a émis un jugement. Et ce jugement, en quoi il consiste? À juger que la dignité des victimes et la dignité et l'identité des Arméniens d'aujourd'hui, et on parle bien de nous, on parle bien de la carte d'identité des Arméniens d'aujourd'hui, étaient protégées par l'article 8, droit au respect de la vie privée. Ce qui signifie que l'identité arménienne aujourd'hui est protégée par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que nous avons réalisé un immense pas. Et là, si M. Perinçak donc a effectivement obtenu en partie gain de cause dans son affaire, c'est la Turquie aujourd'hui qui n'a pas obtenu gain de cause, puisque l'identité arménienne est protégée aujourd'hui dans le cadre de la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, la notion d'origine arménienne pour nos populations ou la notion de diaspora arménienne,
s'étoffe petit à petit, s'effiloche petit à petit, puisque là, actuellement, c'est véritablement l'identité arménienne, la carte d'identité d'Arménie occidentale, qui est officiellement reconnue par un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je veux m'adresser véritablement aux Arméniens d'Arménie occidentale, aux Arméniens de toute l'Europe. Aujourd'hui, chers compatriotes, l'identité arménienne est protégée par la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons fait un pas. Bien entendu que ni le Conseil national d'Arménie occidentale, ni aucune structure donc, d'Arménie occidentale n'est partie, ne fait pas partie donc, des composantes qui ont entamé cette procédure. Mais en vérité, nous avons eu en grande partie gain de cause, quand bien même, le négationnisme n'a pas été condamné dans le cadre, le négationnisme vis-à-vis du génocide des Arméniens n'a pas été condamné dans le cadre de la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons eu gain de cause pour l'avenir. Et c'est un combat que nous allons mener ensemble pour obtenir la réalisation de tous nos droits. Merci.